Au départ, c'était un Américain, c'était une histoire d'un comédien américain. On s'est rendu compte à quel point c'était difficile de caster les comédiens qu'on avait en tête. Et ça fait très très longtemps que j'ai envie de travailler avec Moritz Bleibtreu, qui est un comédien allemand voilà, que je sens comme acteur, comme j'en ai voilà, rarement senti. J'avais vraiment envie de le rencontrer, de travailler avec lui. Et l'idée m'est venue en fait, et si on en faisait plutôt un Européen qui est parti réussir aux États-Unis, plus l'idée qui était créée par un problème, s'est avérée encore enrichissant l'histoire, c'est devenu encore plus intéressant. Là, Movis, tout d'un coup, c'était une évidence. Et à partir de là, bon, j'ai cherché tout. Bon, Patricia aussi, ça fait longtemps que j'avais envie de travailler avec elle. Je me suis imaginé Maurice et Patricia, et j'avais une directrice de casting fabuleuse, Antonia Dauphin, qui est une moitié américaine, moitié française. Et elle m'a aidé beaucoup, hein. Elle m'a bien écouté, et on a trouvé des comédiens aussi pour les rôles, pour les autres rôles, pour Danny, en fait, son meilleur ami, Danny Pudi, fabuleux, la petite. Qui est une comédienne hors pair, elle n'a que 13 ans, elle est fabuleuse. Aussi, même des tout petits rôles qu'on a au restaurant, je ne sais pas si vous étiez déjà là ou pas, c'est des comédiens qui ont deux, trois phrases et qui sont venus de New York et ils existent vraiment. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer, on a mis du temps, on a mis presque un an pour caster. Et ce qui est joli, que tout le monde là, ils se sont trouvés quelque part, ils vont vraiment bien ensemble. Parce qu'à l'intérieur de cette histoire de quête d'identité, il y a cette histoire d'amour. Ou d'amour retrouvé, et en plus un buddy movie qui est extraordinaire entre les deux, tout ce qui se passe, et ils sont vraiment amis. Ils se sont trouvés sur le. C'est formidable, c'était assez sympa à faire.